Pour moi, c'est une bonne idée, cette revue, parce que je sais que Daniel m'en parle depuis très longtemps. Je sais que ça lui tient à cœur et je sais surtout qu'il est capable de générer ce lien social qu'il a à l'antenne avec cette revue. Je suis Moïd Bouafsi, j'ai 28 ans. Je suis rédacteur en chef directeur du football chez Altice, donc RMC, BFM TV, RMC Sport. Pour moi, l'After, c'était une émission mythique et c'était l'émission qui était pour moi le moment important de la soirée. Et je m'endormais avec l'After Foot, je m'endormais avec les voix de Gilbert et de Daniel. Et ça reste pour moi une des plus belles marques du monde médiatique dans le sport. C'est une très bonne idée, je sais que c'est un projet qui tenait vraiment à cœur à Daniel Riello et à Gilbert Bribois. Ils ont des idées très claires sur le monde du foot. On ne se rend pas compte, mais le football est quelque chose d'extrêmement important pour certaines personnes. Et quand on parle de football, on pense obligatoirement en France à l'after foot. Ça peut réussir et ça va réussir parce que les deux sont en profonde symbiose. Et avec cette revue, ces idées vont pouvoir être affirmées à l'antenne, donc à la radio, mais aussi sur le papier. Et comme on dit souvent, les paroles eh bien, s'envolent, les écrits restent. Et pour moi, ça va être une revue qui va permettre aussi de pouvoir avoir des échanges entre amis, entre gens d'une même famille. On fait tous partie de cette génération After. Cette génération After, aujourd'hui, elle dispose d'un nouveau bébé. Il y a la radio que vous écoutez tous les soirs avec Gilbert et Daniel. Et aujourd'hui, vous pouvez disposer de cette très belle revue. C'est un très bel ouvrage. Il travaille depuis plusieurs mois, voire plusieurs années sur ce projet. Il donne tout pour vous. Et aujourd'hui, c'est à vous de les soutenir et c'est à vous de vous lancer dans ce projet qui s'annonce magnifique. Donc faites comme moi, abonnez-vous à cette très belle revue avec Daniel et Gilbert.